J'ai souvent entendu parler de l'amour, le mariage, l'amour, l'argent, l'amour, une vraie relation. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait démystifier un peu tout ça. L'amour ou le mariage, l'amour ou l'argent. Est-ce que l'amour est important? De mon point de vue, à un certain degré, oui. Parce que on ne le remarque pas forcément, mais l'amour, c'est vraiment plus que le désir charnel, c'est bien plus que la connexion physique, c'est bien plus que juste des papillons dans le ventre, comme certains le disent, ou des sentiments qui montent et qui descendent pour d'autres. C'est vraiment une connexion, plus qu'une connexion physique, c'est une connexion spirituelle, c'est une connexion de mentalité, c'est une connexion de façon de passer, de penser, pardon. C'est vraiment une connexion entre deux individus. Et dire qu'on ne peut pas avoir l'amour et le mariage, ou on ne peut pas avoir l'amour et l'argent, ou on ne peut pas avoir un mariage stable et réussi dans lequel il y a l'amour sans avoir fait des calculs, etc., etc. Je trouve que c'est un peu erroné. Je trouve que dans la vie en général, surtout nous, notre génération, en tout cas, ça c'est juste un point de vue, qu'on choisit la facilité. Et je le remarque encore plus avec les plus jeunes générations. La facilité, c'est vraiment le mot d'ordre, tout ce qui est vraiment le plus simple, le plus facile, the path of least resistance, c'est souvent ce qu'on finit par choisir. En vrai, je suis peut-être moi-même coupable de ça, mais à tout moment, je me dis, il faut travailler, il faut se donner à fond, il faut aller, il faut foncer. Et il faut donner son 100%. Ça, c'est dans la vie, en amour, en travail, etc. Donc, dès que je l'oublie, je m'efforce à chaque fois de donner mon 100% dans tout, dans les relations, dans ma vie en général, dans mon amitié, dans mes amitiés et dans tout ce que je fais en général. Donner son 100%, on ne veut pas dire d'être collé 100% derrière une personne ou bien déranger les gens avec une amitié tellement forte qu'on fait des câlins à tout le monde ou vraiment être abusif ou quoi que ce soit. Mais pour moi, donner son 100%, par exemple en amitié, quand tu as besoin de moi, je suis là. Pour moi, donner son 100% en amour, c'est quand tu as vraiment besoin de moi, je suis là. Quand c'est bon, je suis là. Quand c'est mauvais, je suis là. Donner son 100%, c'est vraiment accepter la personne comme elle est. Renoncer quand il faut renoncer. Se battre quand il faut se battre. Mais toujours donner son 100%, peu importe les situations. Donc, dire que on ne peut pas avoir l'amour et le mariage, ou dire qu'on ne peut pas avoir la relation qu'on désire réellement dans un certain ordre de pensée. C'est clair que si on veut 666, donc 6 pieds de haut, 6-figure job, donc qui fait de l'argent à 100 000 dollars, il fait quoi. Genre, l'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas. Mais dans un certain ordre de pensée, dans une certaine rhétorique ou dans une certaine logique, oui, on est capable de trouver tout ce qu'on cherche comme on le cherche. C'est juste savoir faire des concessions de temps en temps. Il faut savoir couper certains corners, couper certains bouts carrés pour en faire des ronds dans le fond. Parce que on n'aura pas 100% ce qu'on cherche, mais on aura au minimum 80% de ce que l'on cherche.
Donc, on ne va pas perdre le 20%, on ne va pas perdre le 80% pour le 20% qui est défectueux. Donc, c'est vraiment le principe de Pareto. Beaucoup de bons livres par rapport à ça, donc je vous encourage à aller les regarder. Mais tout ça pour dire que n'abandonnez pas, travaillez fort, travaillez dur, cherchez vraiment avec le cœur, cherchez à fond, n'hésitez pas. Et ben, si on rate, ben, on a raté avec tout son cœur, mais si on réussit, c'est là qu'on a réussi avec tout son cœur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif. Donnez-moi vos commentaires sur pour vous, c'est quoi l'amour? Et puis, si on peut avoir tout en amour ou bien si l'amour et l'argent, qu'est-ce que vous aurez choisi? Ou si, comme moi, vous aurez abusé et pris les deux. Cheers. Bye.